Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Valkyria Chronicles 4 sur PlayStation 4. Édité et développé par Sega, sorti officiel le 25 septembre 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Excellente note de 17 sur 20 en moyenne générale sur Game Rankings. Qu'est-ce que Valkyria Chronicle? Pour ceux qui ne savent pas, je peux le comprendre, vu que depuis le premier, on a une très faible communication sur ce genre de jeu en Europe. Valkyria Chronicle, c'est un tactical action RPG. Vous allez voir par vous-même en quoi ça consiste. Il s'agit du coup du quatrième opus officiel de la série, si on ne compte pas les petits dérivés et sous-catégories de ce jeu-là. Le premier étant sorti déjà depuis 2008 sur PlayStation 3, qui était une exclue à l'époque, et les deux qui ont suivi étaient sur PS Vita. Donc voilà, on va s'attaquer, on va déjà placer les unités. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire comme nouveauté? En plus d'un char d'assaut que vous voyez tout en haut, j'ai posé un autre véhicule en bas qui est un véhicule terrestre qui est capable de transporter jusqu'à 2 unités. C'est la petite nouveauté, alors que dans les anciens Valkyria, on avait surtout du coup 2 chars d'assaut pour une puissance de feu plus conséquente. Donc voilà, un nouveau poste également. Ouais, on va la poser là, Riley. Riley, c'est notre bombardier en fait. Le poste mortier a été rajouté, c'est une nouvelle unité. À savoir que de base, nous avons donc du coup les fusiliers qui tirent en coup par coup avec une précision assez certaine, les shock troopers avec leurs fusils d'assaut, les ingénieurs capables de réparer mais se battant aussi au fusil, les lanceurs avec le bazooka et les snipers bien entendu. Donc là, voilà, dans ce quatrième opus, nous incarnons Claude Wallace. C'est assez différent de Welkin Gunter. Je vais plutôt les comparer, ce Valkyria Chronicle 4, je vais plutôt le comparer au 1, parce qu'il y a énormément de similitudes avec celui-ci. Non pas que le 2 et le 3 sont inintéressants, mais se détachent un petit peu trop de la trame principale qu'occupe Valkyria Chronicle. Si vous voulez plus en savoir sur le background, imaginez une Europe fictive appelée Europa, où est-ce que le royaume de Galia a subi de grandes pressions durant une grande guerre. Là, actuellement, il s'agit de la Seconde Guerre européenne. Galia devient la Fédération Atlantique. Elle prend du pouvoir au fur et à mesure que les opus progressent. Et là, je lis aussi à côté, donc du coup, ça c'est une nouvelle option. On peut du coup regrouper les unités ensemble pour qu'elles puissent se déplacer. Et ça, c'est plutôt stylé. Vous le voyez, quand je dis Action Tactical RPG, vous voyez, on est en mode plateau de jeu, et lorsqu'on veut incarner une unité, on progresse en TPS. Donc du coup, voilà. Ne partez pas de suite à dire « Oh mon dieu, c'est un jeu plateau, c'est dégueulasse, etc. » C'est du tour par tour, mais avec une... Merde! De là ce que Riley rate son headshot, quoi. Putain, à savoir que les lanceurs craignent uniquement les gros tirs de DCA des tanks et les shoots de sniper dans la tête. La grenade, je sais plus. On va faire avancer l'ingénieur un petit peu. Est-ce que je vais arriver à le toucher? Yes! La caisse de Ragnit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet de buter un gros bunker en fait, qui vous empêcherait d'avancer avec vos unités. Comme ça, on n'a qu'un seul PV, il faut juste trouver le point faible qui est généralement derrière ce bunker et vous pouvez progresser. Ça, c'est encore de nouvelles petites choses. Pas mal de choses à prendre en compte qui, du coup, tient en haleine clairement le joueur. Si vous aimez ce genre de jeu, franchement, le 4 n'a rien à envier aux autres parce que tous les autres ont justement à envier à cet opus-là. Et vous allez le voir au fur et à mesure du jeu, pardon. Je suis juste chapitre 4, à savoir que dans le premier, il y en avait 11, on était sur une quinzaine d'heures de jeu, et là, je suis à peine chapitre, du coup, 4. Et je suis déjà à 7 heures de jeu, donc une durée de vie assez conséquente. Deux modes de difficulté, un facile et un normal. Et ensuite, donc voilà, vous voyez que, au fur et à mesure de la progression du jeu, vous aurez plus ou moins d'unités à placer. Et... Ah, j'hésite. J'espère. Oh, du coup, il prend que dalle en dégâts. Oh, je pensais que le mortier pouvait buter le lanceur, mais faut croire que non. Donc voilà, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, bien entendu, la difficulté va s'accroître. A savoir que ce jeu est beaucoup plus scénarisé que le premier. Une histoire très importante qui lie du coup 4 personnages principaux, à savoir Claude Wallace, donc du coup le chef de l'escouade E, qui ne s'appelle pas du coup l'escouade 7, contrairement à Valkyria Chronicle 1. J'ai de la marge avec mon mortier?
On va tenter. Mais il craint rien. Et je nique mes tours de game hein, avec ça. Enfin voilà. Les tours de game, vous allez le voir, c'est juste en haut là. C'est les petits badges qui me restent. C'est le nombre d'actions qui me reste à faire avant que, bah, du coup, comme j'ai dit, Action Tactical RPG, c'est un tour par tour. Et ce sera à mon adversaire de jouer une fois que tous mes tours seront achevés. On va faire progresser le petit véhicule. De façon à ce que je mette mes unités à côté de ce bunker pour trouver... Bah, parfait, le point faible qui est juste à côté, vous le voyez, le petit truc bleu. C'est génial. On peut les faire rentrer quand ils sont juste à côté en mode plateau de jeu sans niquer un tour de passage. Par contre, les faire descendre pour pouvoir les utiliser, ça vous prendra un tour forcément. Allez, rase, tu vas me raser tout ça. Génial. Du coup, voilà, l'histoire est très très centrée du premier au cinquième chapitre sur l'histoire donc, du coup, de Claude Wallace, qui est ce capitaine qui est devenu donc, du coup, chef de l'escouade E. Accompagné du coup de Raz et de Kai. Kai qui est la meuf sniper que j'incarne. Et Raz que vous avez vu détruire le bunker. Il y a aussi donc du coup Riley, celle qui bosse au mortier. Tu vas l'avoir le headshot là cette fois-ci. Ah voilà, c'est bon. Au moins. Je préfère ne pas avoir de lanceur à proximité de mon char. Vous le voyez, les zones bleues derrière les véhicules sont le point faible. Il suffirait d'un tir bien placé pour que le véhicule directement explose sans lui dégrader tous ses PV. Comme j'ai fait avec... comme j'ai mal fait, tout simplement, avec le mec au mortier. Voilà, on va caler ça, parce que j'ai envie de protéger mon sniper derrière. Il y a une tour de guet au fond. Je pense qu'il va quand même l'avoir. Bon, l'antipersonnel sur les fusiliers et les chocs troopers, ça marche. Ça change pas. Donc du coup voilà, 4 amis d'enfance qui se retrouvent dans la même escouade, beaucoup plus scénarisé, du coup voilà, ce qui en fait un jeu quand même qui est beaucoup plus long. Vous allez pouvoir du coup en apprendre énormément si vous êtes quelqu'un qui aime déguster autant le lore que le gameplay d'un jeu. Eh bien c'est ce Valkyria 4 est vraiment fait pour vous, on a atteint en fait le paroxysme du genre. C'est vraiment... c'est un délice quoi, franchement moi c'était mon jeu préféré sur PlayStation 3 quand je l'ai testé. Merde, mon char ne protégera pas le sniper, mais ne prend pas non plus trop de dégâts, ça va, il m'a pas visé la tête, il est un peu con. Je crois que je suis en normal, en difficulté, je me rappelle même plus ce que j'ai mis en difficulté. Non, comme j'ai du mal négocier le lanceur, je pense que je suis en normal. Ok, c'est une casemate, donc ouais, il doit y avoir un point faible pas loin. On va le faire monter, voilà. Ça ne m'a pas pris de tour, ça c'est plutôt cool. Le sniper, on va le faire prendre un peu de hauteur. Il ne peut pas passer par là, c'est génial. Les fameux body blocks. C'est bon, je peux. Vous voyez en bas cette barre qui dégringolait, c'est l'endurance. Une fois qu'il en a plus, il ne peut plus bouger. Réincarner ce personnage dans un nouveau tour de passage. Et il démarrera juste avec, à chaque fois, un quart en moins de son endurance, en fait. Jusqu'à qu'il ne lui reste plus qu'un seul quart. Et lui est définitif tant que votre tour complet n'est pas terminé. Il reste les trois quarts. On va faire avancer un petit peu le char pour laisser de l'espace aux unités pour progresser. Qu'est-ce que c'est? Oh. Mon dieu, ok, l'ingénieur peut réparer les échelles. Ça, c'est génial. Oh, c'est monstrueux. Donc, du coup, on va nettoyer tout ça. Ah non, c'est une tourelle Gatling. Ça va craindre plutôt les munitions de Brown T2. Allez, on tente. Ah, potentiel activé, fortification de la précision. On en a bien besoin. Yes, c'est bon. Ça craint. Toutes les unités quasiment craignent les petites tourelles mitrailleuses DCA du char d'assaut. Je vais progresser un petit peu pour empêcher d'autres unités d'avancer et que je puisse prendre ce point stratégique en toute sécurité. Oui, donc voilà. Après, vous pouvez aussi donner des ordres à vos unités qui vous prendront un, voire deux tours de passage. Et ça leur donnera, par exemple, plus de précision, plus d'attaque, une endurance plus conséquente. Voilà, vous pouvez donner des ordres avant même de les incarner. On va te faire prendre la retraite à toi. Vous allez comprendre, en fait. Là, à chaque point qu'on contrôle sur une map, on peut ramener un de nos joueurs dans le lobby, tout simplement.
Et en fait, une fois que d'autres points sont pris, on peut leur faire gagner un temps assez conséquent en les faisant en fait réapparaître sur un autre point stratégique qu'on aurait pu capturer. Vous voyez du coup où je veux en venir, je bloque le passage, je fais venir mes unités en toute tranquillité, je vais essayer de me caler par contre contre le mur pour pas que cet énorme casemate me nique mes petits soldats. On va jouer en mode débarcadère. Voilà, on va prendre le fusillé qui a une bonne endurance. Vous pouvez, alors il y a énormément de choix de personnages, il y en a un petit peu plus de quasi 200 personnages, et autant d'hommes que de femmes, mais principalement j'ai opté pour une présence féminine car elles ont pas mal de passifs certaines qui s'appellent le pouvoir aux femmes. C'est assez sexiste, vous allez me dire, mais bon, non, il y a pareil pour les hommes. Mais le bonus qu'il y a en plus dans ce mode-là de pouvoir aux femmes, c'est qu'elles ont plus d'attributs qui est augmenté quand elles sont entourées de femmes que d'hommes entourés d'hommes, en fait. Donc, et pour les postes que je joue, je prends généralement deux fusillés, deux shock troopers, un sniper, un lanceur, un mortier. Et dans la compo qu'elles font, elles ont toutes des passifs qui se cumulent entre elles, donc c'est pour ça que pour moi c'était banco. J'ai certes Raz en shock trooper, mais qui lui est indispensable. Oh putain, y a pas le point faible, même quand je monte, je suis trop. Où est-ce qu'est le point faible, putain? 2300 PV, la casemate. On va tenter un clutch. On va tenter un clutch. J'espère que je vais l'avoir. Non, il doit être derrière. Il est à gauche, est-ce qu'il est derrière? Il est à droite? Non. Non, il doit être là. Il doit être vers là, ouais. Allez, on croise les doigts. Oh yes, pou du con, le point faible était ici. Oh, le clutch magnifiquement exécuté. C'est génial. Donc voilà, après le jeu parle de lui-même, hein, comme je vous ai dit, c'est super intéressant comme style de jeu. Enfin, moi en tout cas j'adore. Hein. C'est un jeu où est-ce qu'il vous faut quand même pas mal de patience, un esprit assez critique, observateur. Voilà, faut vraiment observer et tenir compte de toutes les possibilités dans une phase d'attaque. En gros, vous êtes un petit peu le stratège militaire d'un petit jeu de plateau, quoi. C'est comme un risque, quoi, en fait. Si je peux le comparer à quelque chose d'IRL. Je vais pas lui faire prendre sa retraite. Au cas où que des ennemis arriveraient en bombe là derrière moi, là en mode gros guet-apens, je vais la faire rester là pour qu'il y ait un petit visu et qu'elle puisse contre-attaquer. A savoir que si un allié ou un ennemi me voit avancer, comme vous pouvez le voir, des tirs sont exécutés sur ces personnes. Et c'est valable aussi pour moi. Si un adversaire avance trop vers moi, il se fera buter, tout simplement. Il y a un char d'assaut ici. Aïe aïe aïe. On va voir ce que ça donne. Du coup, voilà, pour en revenir à ce que je disais au tout début. Oh non, ça va, il me fait rien. Le Hafen, il est très solide. Contrairement à l'Edelweiss, où est-ce qu'il fallait énormément le monter. C'était le char de Welking Hunter dans Valkyria Chronicle 1. Il fallait énormément le monter dans la section R&D pour lui faire prendre en puissance. Yes. Bon, l'ingénieur est là, vous allez le comprendre. On va aller réparer cette échelle et voir ce qui nous attend en haut. À savoir, est-ce que ça va me prendre un tour? Parce que réparer, c'est aussi un tour pour l'ingénieur. Et non, j'ai toujours mes armes. Je peux toujours faire une action. Donc en fait, réparer n'est pas une action propre. Ouais, non, j'ai rien qui s'est enlevé. C'est génial. Donc on va un petit peu aller observer. Ouais, non, je suis pas assez loin. On prend la grenade, toujours la grenade, de toute façon, plutôt qu'au fusil, on sait jamais, peut-être que le mec, il est équipé d'une armure ou autre. Les munitions antipersonnelles, certes, il avait un rond, mais bon, faut voir. Ils ont des symboles, en fait, en fonction de l'anti-blindage antipersonnel. Ils ont plusieurs résistances, en fait. Et du coup, ça vous apprend à comment négocier avec quelle arme tel ou tel ennemi, tout simplement. Je vous ai dit, c'est très très tactique. Pour en revenir du coup à Valkyria Chronicle 1, je disais que l'Edelweiss, qui était le char d'assaut de Welkin, était un petit peu plus faible que le Hafen de Claude Wallace. Beaucoup de similarités entre ces deux jeux, si ce n'est que dans le 4, beaucoup de choses ont été rajoutées. Je vous parlais notamment donc, du coup du scénar, Gallia qui était donc du coup une zone qui était prise entre deux feux durant la deuxième guerre européenne. Et bien là, voilà, Gallia devient du coup la Fédération Atlantique, et elle est toujours en guerre face à ce fameux ennemi, l'Alliance Impériale Autocratique de l'Est. Où est-ce que nous avions eu pour principal antagoniste Selveria Blaze, qui était, elle était charismatique au possible, et cette femme était donc une Valkyria,
Voilà, vous allez vous dire, ah tiens, le jeu s'appelle Valkyria Chronicle, qu'est-ce que les Valkyria? On n'en parle pas beaucoup au début de ce 4, c'est pour vraiment mettre l'équipe en avant, le jeu est beaucoup plus scénarisé, comme je vous ai dit. Les Valkyria sont des femmes qui descendent, entre guillemets, des dieux, elles ont été choisies. Seules les femmes peuvent l'être. Même si un homme dans le 1 le devient, mais bon, on voit que c'est pas une Valkyria très... Ouais, c'est un peu... Ouais, il a une tête un peu dégueulasse, enfin, on dirait un bébé mal formé, quoi, le machin, une fois qu'il a les pouvoirs de la Valkyrie. En gros, ce sont des femmes qui peuvent se battre avec une lance divine, en fait, et un bouclier. Et elles ont un pouvoir très conséquent, mais... En gros, c'est une sorte de pacte, elles sont liées par ce contrat. Est-ce que je vais y arriver à le buter? Yes, c'est bon. On a toujours peur de rater nos 5 balles avec nos fusillés, parce que là, après, si la DCA me voit et que je rate mes tirs, elle me termine. C'est l'évidence même. Donc voilà, le pouvoir de la Valkyria, c'est assez expliqué dans le 1, 2, 3, donc c'est pour ça que je fais un petit peu l'impasse sur celui-là. De toute façon, ce n'est pas expliqué au début du jeu, et le jeu le fera très clairement, parce que j'ai vu pas mal de choses sur ce Valkyria Chronicle 4, et tout vous est expliqué, même si, en gros, vous n'avez pas fait les 3 précédents opus. On va le mettre à mi-chemin, pour que mon sniper et Riley, pour que Kai et Riley puissent monter, vu que ce sont les deux persos qui ont le moins d'endurance de l'escouade. Voilà, ça doit être bon pour qu'elles puissent rentrer toutes les deux, et on va les faire rejoindre... mes unités en haut. Du coup, voilà. Comme je vous ai dit, c'est le jeu vous sera très très bien expliqué. Mais dites-vous qu'une Valkyrie, c'est limite impossible à buter. Il y avait un DLC dans le 1 où est-ce qu'on pouvait incarner Selveria. Et mon dieu. C'est juste... quand vous sentez que vous en avez une grosse entre les doigts, bah ça vous fait à peu près le même effet, quoi. Non pas que je sais pas que ça fait de... Ah, enfin, voilà, vous m'avez compris, quoi. Enfin, bon. Il me reste 3 roquettes. 3 roquettes dans mon char. Je pense que je vais claquer mes autres roquettes pour terminer ce char, parce que c'est une menace trop grande pour mes autres unités. Ouais, c'est bon. Il m'en restera assez pour le terminer. Ouais, c'est bon. Je peux claquer mon dernier tour de passage. Il me reste encore 2 obus. Et je vais terminer ce char pour laisser mes unités progresser tranquillement. Enfin, pour laisser mes unités à l'abri, pardon. Et laisser les ennemis progresser sur le flanc gauche. Et que mon char puisse les attendre tranquillement. On va essayer de bien le placer pour qu'il ait un visu. Merde, j'ai plus assez d'endurance, en fait. On peut même pas tourner quand on a plus d'endurance, quoi. Phase ennemie, on va voir ce qui se passe. De toute façon, les missions sont assez longues, donc on va voir ce que fait l'ennemi. Et puis, on reprendra un petit peu plus tard, jusqu'à la prise de poing, limite, la dernière, quoi. Wow ! Un lanceur qui s'appelle Nami l'Antichar. Donc lui, il a un badge, comme vous pouvez le voir, et quand on le tue, l'ennemi perdra à jamais un tour de passage qui lui était attribué de base, en fait. Donc on leur fait perdre un tour quand on nique des grosses, grosses unités. Parmi mes grosses unités, du coup, vous le savez, voilà, j'ai mon sniper, j'ai Riley, Kyle et Raz, qui eux sont des sergents, lieutenants, et comme ils sont plus haut gradés, ils sont capables de me faire perdre un tour complet. Ce serait super chiant de les perdre. Votre unité, quand elle décède, elle reste au sol. Par contre, si un ennemi va dessus, eh bien il la capture et vous perdez l'unité à tout jamais. Donc faites attention, quand votre unité décède et que l'ordinateur a oublié de prendre l'adversaire, putain, lui il va me casser les couilles, n'oubliez pas de vite aller avec une unité sur le corps pour faire intervenir votre médecin qui récupérera le personnage et qui le ramènera du coup au lobby pour le soigner. Donc voilà, c'est assez punitif de perdre une unité comme ça, et c'est plutôt chiant franchement. Enfin, moi je suis plutôt du genre limite à recommencer la mission si je perds ne serait-ce qu'un personnage, même si j'y tiens pas réellement à ce perso, quoi. Mais bon. Au fur et à mesure, vous êtes habitué à prendre toujours les mêmes personnages, vous commencez à vous attacher à vos unités, à leur histoire, à leur background, parce qu'il y a un glossaire qui vous apprend un petit peu tout des unités. Faut pas non plus que je joue au mariole. Voilà, entre toi et le sac de sable, ce sera parfait. Yes. Oh, il reste 7 de vie, t'es sérieux? Vite, faut que j'arrête mon... Vite. Voilà, c'est bon. J'ai fait rond à attendre, donc du coup, il n'allait pas continuer à me tirer dessus. Tant que vous êtes actif durant votre tour, l'ennemi peut continuer à vous tirer dessus, je vous l'ai dit. On va prendre l'ingénieur, on va le terminer de loin. On va viser la tête. Voilà. Les flèches directionnelles vous font bouger le viseur, mais de façon beaucoup plus lente pour un tir de précision. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième point pris.
On va s'occuper après aussi de ce lanceur à côté là qui se cache dans le bush. La barrière n'a que un PV, mais il n'arrive pas à la buter. Est-ce qu'elle est invulnérable? Ah, je sais pas. Oula, mais il y en a un autre là-bas. Bon. On verra bien. C'est là que Brittany va être utile. On va voir si avec le lanceur, ben, je suis capable de péter la barricade ou autre. Enfin, on verra bien. Donc, le lanceur, il est... Voilà, il était là, ça y est, je l'ai touché. Du coup, il ne va pas se rallonger, il va se relever. Quand une unité est touchée par le char, elle ne perd pas de vie, elle est juste déplacée un tout petit peu. Yes, le potentiel s'active, son passif, fortification de la précision. Et c'est banco, on lui fait perdre un tour. Donc voilà, vous voyez à peu près donc, du coup, comment ça se passe. On va aller, ben, je vais un petit peu progresser parce qu'il me reste encore, je pense, pas mal de zones. Là, il me reste encore, je crois, deux à capturer. Il doit y avoir encore pas mal d'ennemis. Les renforts sont sans cesse demandés par l'équipe adverse à chaque fois que c'est son tour. On va un petit peu progresser. Ouais, il y a même des DCA là-bas. Donc, allez, on va scinder. Et je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé entre-temps. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu dans la merde. En fait, là, j'ai un char adverse, j'ai plus d'endurance. Et le seul moyen qui me reste, j'ai une seule ogive, comme vous pouvez le voir. Et quasiment plus d'endurance, plus qu'un seul tour de passage. Ça commence à être super chaud, j'espère que je vais pouvoir le buter maintenant. Il y en avait deux, deux chars côte à côte. J'ai fini le premier, là c'est le... Oh là 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 là, je suis trop haut au niveau du viseur. Mon dieu, c'est mon dernier tour. Surtout que là, j'ai le moteur en vue. Ouah, faut absolument le buter. Faut absolument... Yes, oh là là, il a pas intérêt à se chier. Tire pas à côté. Oh, le stress. Donc du coup, il y avait deux chars côte à côte. J'ai fini le premier, avec une certaine difficulté. Et le deuxième, là, il me restait plus grand-chose. J'ai pu faire venir le lanceur qui m'avait aussi fait un petit peu de dégâts. J'ai pris tout le dessus de la montagne avec mes unités. Et des ennemis, là, arrivent en masse parce que c'est le dernier point de contrôle à prendre de la part de notre part, tout simplement. Waouh, 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 waouh. Oh, bah lui, il est complètement con, quoi. Ils attendent trop, les ordinateurs. Mais il est débile ou quoi? Il l'a réincarné alors qu'il est sous le feu de mon Hafen. Il est complètement con, quoi. Oui, à noter, un certain dialecte un petit peu ben, allemand, en fait, dans le jeu, en fait, ça on le voit par rapport au bah, de toute façon, à l'univers qui nous entoure, au style de tenue que l'on porte, les noms des personnages, etc. C'est, voilà, il y a un léger dialecte un peu allemand, en fait. De toute façon, ça se passe dans une espèce de... Ouais, d'Allemagne... Europa... fictive. On va prendre le fusilier. Et... Comme il a le plus d'endurance, on va essayer d'aller prendre le dernier point avec lui, parce que le lanceur n'a pas assez d'endu. Voilà, on va le mettre... Oh, il y a un bush, là. On va le faire ici, hop. Et on va utiliser le char, qui ne nous prend d'ailleurs qu'un point de tour. Ça aussi, j'ai oublié de le mentionner avant, dans les anciens Valkyria, c'était deux points pour prendre un char d'assaut. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Au moins, on a plus de mouvement, voilà. Ça fait partie quand même des points positifs, c'est cool. Entre un nouveau poste, qui est celui du mortier, les nouveaux véhicules de transport, l'histoire qui est beaucoup plus scénarisée, voilà, enfin, et puis le jeu qui reste aux bases, hein, ça reste vraiment le bon vieux tour par tour, en fait, ce qui a plu à ceux qui jouent avec cette saga, quoi. Donc, franchement, moi, il est banco, et c'est... Ouais, je le préfère qu'aux anciens, parce que, voilà, il a tout pour plaire, hein, et il a que des choses en plus. Et puis même pour ceux qui étaient attachés à certains personnages, je sais que Marina, le sniper de Valkyria Chronicle 1, était adulé par tout le monde. Mais bon, ouais, on va se le dire entre nous, Kai quand même, putain, franchement, hein. Ouais, vous savez très bien ce que je veux dire, elle plaît visuellement quand même, hein. Suffit de la voir. Ouais, on va prendre le char et on va bloquer, on va les tuer eux, là, les deux là-bas.
Parce que celui du fond, c'est un sniper, donc il peut pas tirer, en fait. Il peut tirer que quand c'est son tour, il peut pas tirer automatiquement, ou alors il peut que répliquer s'il est en vie après une attaque directe sur lui. Donc avec le char, je vais bloquer la tourelle Gatling, si j'arrive à faire ma manœuvre, pour que le fusilier, voilà, pour que le fusilier puisse passer sans prendre de dégâts. Donc, hop, il est temps d'aller prendre le fusilier. Il lui reste 3 quarts d'endu, comme je vous ai dit, on le prend une nouvelle fois. La prochaine fois, il lui restera plus que la moitié, et encore la prochaine fois, il lui restera plus que le quart. Et là, il lui restera que des quarts, tant que j'aurai que des... tant qu'il me restera des tours. Pour prendre le point, il faut sortir les ennemis du point ou les tuer. Donc là, voilà, la grenade, c'est radical, on est d'accord. Surtout sur un sniper qui n'a pas beaucoup de d'armure. C'est terminé, mais j'ai pas d'endurance pour prendre le point. On reprend une dernière fois et on chope le point et on a terminé cette mission. Magnifique. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Eh bien, oui, j'ai récupéré des... Je vais récupérer des points, du coup. Des points qu'on va pouvoir échanger pour des améliorations. On va repartir de suite dans ce moment du livre. Comme ça, au moins, voilà, on passe les dialogues, on évite le spoil. Je vous dis à de suite. Bon. Voilà, je viens de débloquer le premier événement du chapitre 4. En fait, non, j'étais même chapitre 3, c'est incroyable. Je dois être maintenant à 8 heures de jeu dépassé et je suis qu'au chapitre 4. C'est incroyable. Sachant que tous les anciens Valkyria avaient plus de 10 chapitres, hein, minimum. Donc je sais pas combien il y en a au total, mais dites-vous que là je suis presque donc, du coup à 10 heures de jeu, et je suis même pas chapitre 5, donc j'ai même pas fait la moitié des chapitres de base dont je suis sûr qu'il y a dans le jeu, quoi. Donc on a récupéré des points d'expérience et des points aussi de recherche et développement, de R&D. Donc là d'abord on va faire augmenter nos personnages, vous voyez que des ordres peuvent leur être donnés, des nouveaux ordres s'ils montent d'un niveau, genre le lanceur, il a... je peux lui donner un nouvel ordre... Et un potentiel de combat sera développé pour le Shock Trooper, qui est encore niveau 6 et que je n'ai pas monté. Le Shock Trooper, c'est le soldat d'assaut. Je suis un peu trop habitué à la version anglaise, vu que Valkyria Chronicle 1 n'était que en anglais, et c'est celui que j'ai vraiment bouffé. Et même les autres, d'ailleurs, je les avais en version anglaise, le 2 et 3, mais qui n'étaient sortis que sur PS Vita. Donc, on est dans le complexe R&D, et c'est là qu'on peut en fait acheter de nouvelles armes, mais bon, là, j'ai rien à acheter, et puis voilà, bonus de précision, j'ai pas envie de les acheter, c'est d'autres armes, mais qui sont moins bonnes en dégâts, plus précises, mais moins fortes. Le Hafen et le Cactus, on peut donc du coup leur développer certains éléments, vous le voyez en bas à gauche, voilà, les mitrailleuses renforcées, l'acier, tout ça. Pareil donc du coup pour le Cactus, qui est le véhicule de transport, mais là, je n'ai rien débloqué parce que je n'ai pas encore assez progressé dans le jeu. A savoir qu'après, des nouvelles armes peuvent être données, plus précises, qui font plus mal, qui ont voilà, une meilleure stabilité, tout ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout montré du quartier général. C'est là aussi que vous pouvez mettre vos nouvelles unités ou autres. Et après aussi, voilà, vous avez aussi le mode escarmouche qui vous permet de refaire des moments assez importants du jeu. Et le nouveau truc qui s'appelle Histoire d'Escadron, qui vous permet aussi d'en savoir plus sur vos personnages avec des missions complètement annexes qui ne font pas avancer la trame principale mais qui vous font plus savoir sur le background. Sur ce, du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que mon test vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à ciao !